Bonjour et bienvenue dans les îles Canaries en Espagne pour ce troisième épisode. Nous sommes le 23 janvier 2022, c'est dimanche, et ce clip est destiné aux censeurs américains, Trump, Biden, les responsables de YouTube qui maintenant ne veulent plus voir de scènes de nudité. Je suppose qu'ils prennent leur douche avec la djellaba, la burqa, le tchador, etc. Qu'ils ont peur de leur corps, qu'ils ont peur de montrer leur corps. Eh bien moi, en tant que masseur kinésithérapeute français diplômé d'État, je vois des gens dénudés à longueur d'année. Donc, heureusement que je ne redoute pas la nudité, et en plus, je suis un naturiste, c'est-à-dire que lorsque je le peux, dans la nature, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, et que ça ne dérange personne, eh bien, je pratique le naturisme, je me mets nu dans la nature. Et les Américains voudraient que, en France, on ne puisse plus le faire. C'est un scandale. Bon, direction la salle de petit déjeuner de l'hôtel Lanzarote Princess. Et regardez ces bonnes choses. Il y en a trop. Ça fait tourner la tête. Et ma foi, il faut quand même choisir, être raisonnable. Moi, je commence souvent mon petit déjeuner costaud, surtout quand je vais faire de l'exercice physique, par les protéines. Et ensuite, je rajoute d'autres choses. Les glucides, et je finis par des fruits frais. Regardez, il y a trop de bonnes choses. Et quand on bouge, c'est bien, on peut digérer. Mais il y a ceux qui bouffent sans bouger, et ils se transforment en saucisses sur pattes, au masculin comme au féminin. Je vous garantis que dans cet hôtel, eh bien, je vois des gens qui sont plutôt rondouillards. On dirait Trump, Biden, dont le tour de taille au fil des années de grande bouffe payée par les contribuables, eh bien, leur tour de taille grossit. Port du masque obligatoire quand on va se servir au buffet, et ma foi, moi j'ai bon appétit parce que ce qu'on me propose est vraiment très bon. Donc après un premier round, eh bien je continue avec un deuxième round. Vous voyez, j'ai l'accent américain, c'est un peu comme Manu quand il fait le beau et qu'il parle anglo-américain. Et round, et enfin les fruits frais pour le quatrième round. Je suis bien, bon, il faudrait pas me demander de courir maintenant, mais je vais attendre un peu et ensuite, eh bien, je vais marcher en augmentant la cadence, et ce pendant plusieurs heures consécutives. C'est pour ça que le matin, je peux me permettre de manger un peu beaucoup. L'hôtel Lanzarote Princess est un 4 étoiles. C'est la première fois que je séjourne dans un 4 étoiles espagnol. C'est la première fois que je vis en Espagne aussi. Peut-être que vous avez remarqué, mais mon nom long, eh bien, en Espagne, c'est Lon. Et l'un de mes grands-pères
le paternel, eh bien, était d'origine espagnole. Et l'autre grand-père, le Corse. Je tiens donc des racines espagnoles, corses, et je vous invite à suivre les vidéos des Canaries. Une semaine de vacances, puisqu'on ne m'a pas laissé partir pour la Thaïlande. Merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.